On est dans le train et on est parti pour 3 heures de trajet, direction Disney. Le Disney Express, c'est une prestation qu'on a payée pour pouvoir avoir nos bagages directement à l'hôtel. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Alors le premier land qu'on découvre c'est Frontierland et on va aller au Phantom Manor. 13 minutes d'attente, franchement on a de la chance. On va pas trop attendre. Avec Laurie, on n'a pas pu faire l'attraction Phantom Manor parce qu'une fois que la lumière était éteinte au niveau de la salle d'accueil, il a eu très peur. Une cast member a vu de suite le problème. Elle nous a fait sortir de l'attraction. Du coup, pendant ce temps, on a rencontré Mr. Jack. Tu me regardes ? Regardez, Loulou, regarde devant toi. Le squelette des dinosaures. Tu le vois? On vient de s'arrêter au Cool Post pour manger et on a tous pris un petit croque-monsieur Simba et un sablé au chocolat en forme de pâte. Mon ami en plumé, telle loi absolument limite. Prends une bagnole, quoi. Nous, on préfère Peter Pan quand même. Ok.
Réponse. Regarde, il y a le nain là-haut, tu le vois? Dans la mine? Là-haut. Et il y a la maison là, et il y a la sorcière devant la porte. On est avec Lorik sur le quai du train du cirque. C'est une première pour lui, donc il a un petit peu peur, mais ça devrait aller. C'est l'heure du goûter, alors on s'est pris une petite gaufre qui a l'air très bonne et un petit granité. Écoutez attentivement. Zerg compte utiliser les générateurs à cristaux-fusion pour alimenter son arme secrète. Notre mission est de retrouver ses robots et son arme secrète et de les pulvériser. L'expert Bombay se chargera de récupérer. Bon, bah, l'attraction vient de tomber en panne et tout s'est allumé. Franchement, ça fait trop bizarre de tout voir allumé et je pense qu'on va devoir sortir à pied. C'est bizarre. Il s'appelle Lorik, mais il est timide. C'est vrai, t'es un ami de timide. Vous le connaissez, le nain timide? Oui, ça veut dire que vous me connaissez, moi aussi. Oui.
Il est 19h et on va manger au Plaza Garden. C'est un restaurant tout près du château. Et franchement, il est très joli. Alors normalement ici, ce resto, c'est un buffet à volonté. Sauf que vu les restrictions sanitaires, on a fait une commande et on sera servi à l'assiette. Alors on vient de recevoir un assortiment d'entrée. Franchement, c'est top, hein. Pour les desserts, c'est comme pour l'entrée, c'est un assortiment de petites pâtisseries qui sont très jolies. Et les petits, ils ont eu une glace et une salade de fruits qui sont dans leur menu. Bon, bah on a fini de manger. C'était bon, le cadre était vraiment joli. Là, on va rentrer tranquillement et demain, on revient. Nous sommes le deuxième jour au parc Disney et comme on dort dans un hôtel Disney, on peut venir à 8h30 et profiter une heure de plus des attractions. Et du coup, là, on va monter dans un petit camion de pompiers pour descendre to Main Street. Maintenant, on va faire les attractions au Walt Disney Studio et j'ai hâte de découvrir le parachute drop. Mickey and Minnie,
Non, la garde du roi Lion est trop occupée à protéger la terre des lions des griffes de Scar. Mais c'est ton jour de chance. Ils t'ont envoyé Timon. Time to play. Your fellow toys await your arrival. C'est parti pour aller au parachute drop et on y va tous les quatre, donc c'est vraiment sympa. J'ai pris une petite macédoine légumes kiri et un croque-monsieur jambon kiri à l'effigie bien sûr de Cars. Bonjour, en
Ranger de l'espace. Ici, c'est Buzz l'éclair. Ouais. Ouais. Allez. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Oui. Vas-y, vas-y. Allez, tout le monde. Fais-moi une jolie petite risette. Wow, ça fait bizarre là. Oh, c'est haut. On est où, t'as vu? En volo, hein. Heroic experience. Elle voulait te parler, je crois. Elle voulait te parler un peu, vas-y. Vas-y, avance un peu. Et toi, c'est quoi ton préféré? Refais, il te dit refais. Attention. Ce soir, on mange au Disney Village au Billy Bob's Country Western Saloon.
Dernier jour à Disney et il pleut. On avait acheté des kawaii avant et voilà. On est bien content de les avoir. Ça, c'est une boutique à l'entrée du parc où tout est à moins 70% dedans. Ça aussi, c'est une bonne astuce. C'est une location de batterie pour téléphone mobile. Ça, c'est à l'entrée du parc. Ça coûte combien? Je sais pas. 4 euros les deux premières heures, 10 euros la journée. Ouais, c'est cool ça. Laisser passer quelque chose. Et occuper tous les sièges disponibles. La réglementation galactique stipule que tous vos effets doivent être placés dans le compartiment se trouvant sous votre siège. Pour vous attacher, tirez sur le cordon jaune pour dérouler la ceinture se trouvant sur votre droite et introduisez l'embout dans la boucle se trouvant à votre gauche. Pour votre sécurité, restez assis pendant toute la durée du vol et conservez votre ceinture attachée. Merci de bien surveiller vos enfants. On va aller dans la boutique Harrington, très connue pour son acoustique. Alors on va découvrir ça. Marie est de l'autre côté, on l'entend très bien. Tu m'entends? Tu m'entends? Alors qu'il est de l'autre côté de la pièce. Ça c'est la magie de Disney. On se laisse tenter par une dernière gourmandise avant de partir. Et comme vous voyez, il y a le choix.